Salut les terriennes et salut les terriens. Il y a quelques jours, je vous ai posé la question de savoir combien notre système solaire comptait d'objets ayant un diamètre supérieur ou égal à 500 km. Il y a quelques jours, je ne connaissais pas la réponse et la question m'était venue en voyant le nombre impressionnant d'objets répertoriés à ce jour dans notre système solaire. Le connaissez-vous? Eh bien, nous étions au 12 février 2014, il y a 3 ans, à plus de 636 000 corps référencés dans notre système. Et je pense que ce nombre grandit régulièrement. Alors, je vous avoue que je ne suis pas sûr d'avoir la réponse exacte à la question, vous allez comprendre pourquoi. Bien sûr, certains dans les commentaires vont faire les malins en disant « Ah bah tu vois, tu poses encore une question et tu n'es pas capable de répondre. » Si, je vais répondre, mais nous n'avons pas tous les éléments nécessaires pour que cette réponse soit juste et précise aujourd'hui. Mais si vous êtes plus malin que moi, allez-y, hein, faites votre vidéo réponse, je vous regarderai attentivement en mettant un petit commentaire négatif et désobligeant de la même manière que vous le faites de votre côté. Bon, j'ai regardé un peu vos propositions dans les commentaires de la vidéo question, et je dois dire que vous ne vous êtes pas trop mouillé, à part certains qui ont joué le jeu et essayé de trouver la réponse d'abord avec leurs connaissances, puis en fouillant un peu sur le net. Mais évidemment, si on se réfère à une certaine page Wikipédia où nous pouvons trouver une liste assez complète, le défi n'est pas si compliqué. Ce que je trouvais intéressant dans cette question, c'était surtout d'aller explorer notre entourage, notre système solaire, car on a l'habitude de parler des planètes que presque tout le monde connaît au nombre de 8, mais tout le reste de notre système est assez flou pour la plupart des gens, alors qu'il y a des tonnes de choses à découvrir. Et je voulais, grâce à cette question, vous permettre de chercher et de visualiser un peu la complexité de notre système. Alors si on veut connaître le nombre d'objets d'une certaine taille, il va falloir les classer. Et pour les classer, il faut les organiser. Les astronomes ont déjà fait ce travail. Et je vous propose de découvrir les différentes catégories d'objets existants dans notre système afin de mieux comprendre par la suite où ils se trouvent et ce qu'ils sont. Pour faire le tour de ces catégories, je vous propose un petit diagramme représentant les multiples possibilités. Et encore, ce diagramme n'est pas tout à fait complet. Il montre les différentes solutions possibles entre les types d'objets et leur classification. D'après l'Union Astronomique Internationale, l'UAI, il existe 3 types d'objets célestes, hormis les étoiles elles-mêmes bien sûr. Il y a les planètes naines, et le troisième groupe comporte tous les autres objets appelés petits corps. Ces 3 types définissent à quel genre d'objet nous avons affaire, mais ne nous disent pas où ils se trouvent dans le système. Pour les séparer en fonction de leur lieu d'existence ou de leur orbite, les objets ont été classés en catégories. Dans ces catégories, nous allons trouver les satellites, les transneptuniens, divisés en plusieurs sous-catégories, les comètes, les centaures, les troyens, etc. Ce n'est pas du tout évident de s'y retrouver dans tout ça. Alors, je vais vous proposer de voyager dans notre système en partant du Soleil et en s'éloignant de lui, et je vais vous donner les caractéristiques des différents éléments que nous allons rencontrer. Au fur et à mesure de notre avancée, nous comptabiliserons le nombre d'objets répondant à notre question de départ, et je laisserai afficher dans un coin de l'écran ce nombre afin de savoir où nous en sommes. Je pense que c'est la meilleure solution. C'est donc parti. Au centre de notre système se trouve notre étoile, le Soleil. C'est le premier objet à comptabiliser et à ne pas oublier, car ce n'est pas le moindre. Ensuite, nous allons trouver les 4 planètes telluriques du système interne, à savoir Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Ces 4 planètes étant largement plus grosses que 500 km, ajoutons 4 à notre compteur. Parmi ces 4 planètes, seules la Terre et Mars possèdent des satellites naturels. Il y a évidemment notre Lune, qui est supérieure à 500 km, mais les satellites de Mars, au nombre de 2, sont eux trop petits. Phobos ne mesure que 27 km environ, et Deimos seulement 15. Nous n'avons donc que la Lune à ajouter ici à notre compteur, qui monte sa valeur à 6 objets. En quittant le système interne pour se rendre dans le système solaire externe, nous allons devoir traverser
la ceinture principale d'astéroïdes, dans laquelle nous allons trouver des objets dont la taille peut varier très fortement, allant de poussières microscopiques à plusieurs centaines de kilomètres. Le plus gros de ces objets, c'est Cérès, d'un diamètre de 946 km, qui est d'ailleurs classifié comme planète naine. Mais nous trouvons aussi Pallas, 582 km, et Vesta, 560 km de diamètre. Tous les autres astéroïdes de la ceinture principale mesurent moins de 500 km. Nous ajoutons donc 3 à notre compteur. Nous arrivons donc dans le système externe du système solaire, comprenant les 4 planètes géantes gazeuses que sont Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Soit 4 objets supplémentaires, notre compteur arrive à 13. Ces 4 planètes géantes possèdent toutes plusieurs satellites naturels. Regardons-les pour chacune d'elles. Jupiter compte 67 satellites connus à ce jour, parmi lesquels seuls 4 sont plus gros que 500 km. Il y a Ganymède, 5262 km, Callisto, avec 4821 km, Io, 3643, et Europe, 3122 km. Tous les autres satellites mesurent moins de 200 km. Compteur plus 4, nous en sommes à 17. Pour Saturne, sur ses 62 satellites, 6 correspondent à notre question. Titan, 5150 km, Rhea, 1532, Japet, 1494, Dionée, 1118, Tétis, 1060 et Encelade, 513 km. Cette dernière étant limite pour notre question car un de ses diamètres est de 497 km, mais les autres font 513 et 503, je l'ai donc comptabilisé, ce qui porte notre compteur à 23. Ensuite, nous arrivons à Uranus, qui compte 27 satellites naturels, parmi lesquels 4 possèdent un diamètre supérieur à 500. Titania, avec 1577 km, Oberon, 1523, Umbriel, 1169 et Ariel, c'est pas la petite sirène, 1162 km. Ajoutons 4 à notre compteur, nous sommes déjà à 27 objets. Dernière planète géante du système externe, Neptune, qui possède elle 14 satellites, dont un seul, Triton, possède un diamètre supérieur à 500 km puisqu'il est de 2707 km. Compteur à 28. Dans le système solaire externe, nous trouvons aussi des objets d'autres types, comme les centaures, qui sont des petits corps glacés. Le plus gros d'entre eux mesure 478 km, s'appelant 2010 TY53, mais aucun d'eux ne permet d'incrémenter notre compteur. Il y a aussi quelques comètes trop petites et les astéroïdes troyens ou troyens qui sont rassemblés au point de Lagrange L4 et L5 de Jupiter et de Neptune. Mais malheureusement, tous ces objets sont trop petits pour les prendre en compte. En s'éloignant de Neptune, nous allons entrer dans la région appelée transneptunienne, dans laquelle nous allons trouver d'abord la ceinture de Kuiper. C'est un grand anneau de débris similaire à la ceinture principale d'astéroïdes rencontrée entre Mars et Jupiter. Dans cette ceinture de Kuiper, nous allons trouver un grand nombre d'objets, classés en 4 sous-catégories, les plutinos, les cubewanos, les toutinos et les autres. Les plutinos sont des objets transneptuniens qui sont en résonance 2-3 avec Neptune. Cela signifie qu'ils effectuent 2 orbites autour du Soleil pendant que Neptune en fait 3. Parmi eux, nous trouvons 10 objets correspondant à notre recherche, dont Pluton, planète naine, mesurant 2370 km de diamètre. Il y a Orcus, 946 km, 2003 AZ84, Ixion, 2004 GV9, 2003 UZ413, 2002 XV93, 2003 VS2, 2007 JH43 et 2011 FW62. Notre compteur atteint donc 38, auquel nous devons ajouter Charon, qui est un satellite naturel de Pluton,
mesurant 1207 km de diamètre. Nous en sommes donc déjà à 39 objets. Les cubes Wano, eux, ou autrement appelés objets classiques de la ceinture de Kuiper, ne sont pas en résonance avec Neptune, mais possèdent des orbites presque circulaires. Parmi eux, nous trouvons deux planètes naines, Oméa, 1960 km de diamètre, et Makemake, 1500 km. Mais nous trouvons aussi 16 objets dont le diamètre varie entre 500 et 1200 km. Notre compteur grimpe à 57. J'attire votre attention ici sur quelques objets, comme par exemple 2007XV50, qui est donné dans la liste pour 486 km de diamètre. Mais lorsqu'on va sur sa page dédiée, nous pouvons voir 551 km de diamètre, mesure donnée par l'astronome Michael E. Brown de l'Institut de technologie de Californie. Ou alors encore l'objet 2005UQ513, donné pour 490 km. Sur sa page dédiée, on trouve 498 km avec une marge de plus ou moins 70 km. Et sur la page de Michael E. Brown, on le trouve même avec un diamètre de 698 km. Ce qui veut dire qu'à partir de cet endroit de notre système solaire, nous ne sommes plus vraiment sûrs des mesures actuelles. Des observations supplémentaires de ces objets permettront certainement d'affiner ces données dans le futur. Toujours est-il qu'aujourd'hui, il existe certains objets dont le diamètre n'est pas encore fixé définitivement. Notre compteur pourrait donc potentiellement être plus élevé. Mais je vais garder comme source la liste de la page Wikipédia pour avoir un point de référence. Après les cubes Wano, nous avons les Tutino, qui eux sont en résonance 1-2 avec Neptune, c'est-à-dire une orbite pour deux orbites de Neptune. Mais aucun d'eux n'est assez gros pour notre compteur. Dans la ceinture de Kuiper, il reste tous les autres objets non classés, parmi lesquels nous trouvons 3 objets de plus de 500 km. 2002 AW197, 2002 UX25 et 2014 UM33. Passons donc notre compteur à 60 objets. Au-delà de la ceinture de Kuiper, nous trouvons encore deux types d'objets, les objets détachés et les objets épars. Les détachés sont des objets qui sont suffisamment éloignés des planètes géantes pour avoir un comportement qui a été défini comme détaché, d'où leur nom. Parmi eux, nous trouvons Sedna, avec un diamètre de 995 km, 2004XR190, 600 km, et 2003QX113, 505 km, soit 3 de plus. Les objets épars sont des objets transneptuniens dont l'orbite est fortement excentrique. Parmi eux se trouve une planète naine, Eris, qui mesure 2326 km, possédant un satellite dont la taille n'est pas encore bien connue, estimée entre 300 et 400 km, mais qui pourrait peut-être être supérieur à 500. Mais ne le comptons pas pour le moment. Dans les objets épars, il y a aussi 15 autres objets, dont le diamètre varie entre 500 et 1200 km, ce qui incrémente notre compteur de 16 éléments. Nous sommes donc à 79 objets supérieurs à 500 km. Ne reste plus que les transneptuniens n'ayant aucune caractéristique remarquable, mais aucun d'eux ne dépasse 500 km de diamètre. Enfin, pour l'instant. Il reste cependant un objet, découvert en novembre 2015 dans le nuage d'Oort, qui est la partie la plus externe du système solaire, où se trouveraient des milliards de noyaux de comètes. Cet objet, nommé V774-104, est l'objet connu le plus éloigné de notre système, s'éloignant à près de 1000 fois l'unité astronomique, c'est-à-dire la distance Soleil-Terre, et dont le diamètre serait compris entre 500 et 1000 km, mais on est quasi sûr qu'il est au-delà de 500, ce qui fait de lui un objet éligible à notre requête et qui porte notre compteur à 80. Voilà, alors, il se peut qu'en cherchant d'autres données sur d'autres sites astronomiques, la valeur de ce compteur pourrait être légèrement différente. Mais sachant que si certains objets
entrent dans notre recherche, d'autres pourraient en sortir. Donc je pense que nous ne sommes pas très loin de la vérité tout de même. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle m'a demandé pas mal de temps de recherche, de compréhension quand même sur les différents éléments. Et j'avoue qu'on pourrait pousser encore plus loin en regardant un peu plus en détail les caractéristiques de chaque catégorie d'objets. Car il y a vraiment des choses très intéressantes à découvrir dans notre système solaire. Je vous dis à bientôt et n'oubliez pas, faites tourner. Ciao les terriennes. Ciao les terriens.